Je vous reviens aujourd'hui avec un tag. Alors, ça n'arrive pas très très souvent sur ma chaîne, vous le savez. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'ont tagué en 2015. C'est vrai que vous voyez, je suis pas très tag, hein, clairement. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver avec le tag des favoris naturels pour lequel j'ai été taguée directement par Naturellement Lila. Je me suis dit quand même que j'allais faire cet effort en début d'année 2015. Alors, c'est parti. Alors, quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Alors en 2015, j'ai quand même essentiellement utilisé de l'huile végétale et notamment l'huile de paille skincare que j'ai beaucoup aimée. Mais on va commencer correctement en répondant bien aux questions. Du coup, je vais choisir la crème de jour de Centella. Je trouve que c'est une très bonne crème, bien nourrissante, qui me convient. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment l'impression que le Centella Asiatica me réussit très très bien. Du coup, je choisis celle-ci. Alors, le démaquillant le plus efficace selon toi? Bon, ça fait très longtemps que je vous en parle. Je suis toujours sur l'huile végétale de noyau d'abricot qui reste ma favorite. J'en ai été utilisé d'autres, plus fines, plus ou moins, mais vraiment, c'est celle que je préfère. Mais si je dois choisir un démaquillant pur pour respecter la consigne, je choisirais celui de Pas Skincare aussi encore, qui est très bien, notamment lorsque je me suis peu maquillée. Vous voyez, quand j'ai juste un petit peu de résidu de mascara, je vais l'utiliser sur peau humide par contre, hein, pas avec un coton, juste avec mes doigts sur une peau humide. Et voilà, je trouve qu'il est très bien, il sent très très bon. Donc voilà, on va choisir celui-là. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 3 produits incontournables. Bon, c'est là que je vais commencer à faire n'importe quoi, parce que moi ça n'existe pas trop, ce genre de journée soin qui m'est dédiée, à tort hein, sans doute, mais voilà, moi je fais pas trop ça. Voilà, je suis toujours avec ma famille. Et d'ailleurs, si je veux me détendre, ce sera plutôt voilà, autour du feu de cheminée avec mon fils et mon conjoint. Mais bon, voilà, si vraiment je dois faire des soins, ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer l'ensemble des produits que je pourrais utiliser pour avoir mes 5 produits, sinon je ne les aurais pas. Donc, cette année, j'ai redécouvert le plaisir d'allumer une bougie. En fait, je n'utilisais plus de bougies. En découvrant leur toxicité, je les avais complètement abandonnées. Au grand regret de mon conjoint qui était dû racheter une bougie de Kiva chez Ikea. Donc voilà, j'avais banni les bougies. Et puis finalement, tout doucement, j'ai repris plaisir à utiliser des bougies végétales et sans huile de palme. Voilà, c'est vrai que j'aimais ça et pour le coup, ça me faisait plaisir. J'utilise volontiers des parfums chauds, vous voyez, sucrés. Ça m'apaise beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Voilà, ça a été mon grand plaisir. Ou bien alors, je peux utiliser des bougies, je vous en ai parlé il y a un petit peu plus d'un an maintenant, avec des mèches en bois parce que ça crépite. J'aime beaucoup, beaucoup le bruit que ça fait, et même visuellement. C'est vraiment très chaleureux, très apaisant. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. J'allumerai ma lampe de sel d'Himalaya. Alors ma lampe de sel, je l'allume très 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 souvent. Au-delà de ce qu'elle pourrait faire sur l'atmosphère, les ions, etc., ce que j'aime, c'est sa couleur très chaude, très très orange. Ça apaise déjà visuellement, j'aime vraiment beaucoup. Je l'allume très souvent le soir. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable. D'ailleurs, souvent je la touche hein, quand une fois qu'elle est chaude. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et je pense que je mettrai un minéral. Voilà, j'aime bien avoir un minéral, donc soit dans ma main, soit autour de mon cou, donc soit un cristal de roche ou une améthyste. Voilà, je pense que je mettrai un sautoir avec un minéral. Et donc, en termes de soins, ce que je peux utiliser quand je suis à la maison, c'est très souvent du beurre de karité. Je vous en ai souvent parlé, mais en fait, comme c'est très très riche, je vais plus l'utiliser quand je reste à la maison, quitte à luire, là, parce que c'est vrai que c'est quand même assez gras, ça brille. Et souvent, j'utilise du beurre de karité à la vanille, que j'utilise autour des yeux. Donc, je le fais bien fondre entre mes doigts et je vais le mettre parce que mes yeux souffrent beaucoup beaucoup de mes allergies. Encore hier, hein, on le voit, je reste très gonflée pendant 2 jours. Et donc voilà, je vais en mettre, mais allègrement, hein, voilà, je vais y aller. Je vais en mettre aussi sur mes zones de sécheresse. Voilà, le beurre de karité, c'est vraiment mettre des huiles, vous voyez, des corps très très riches sur mon visage. Ça, j'aime beaucoup. Je mettrai du baume à lèvres uraux à la vanille, voilà, ambiance chaleureuse et tout ça et tout ça. Voilà, ça serait ça ma routine cocooning. Alors, le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Je n'utilise pas spécialement d'après-shampoing, mais cette année, ça sera celui de John Masters Organics, qui en plus contient un après-shampoing, ça tombe bien. Donc c'est celui, c'est le rééquilibrant aux zinc à la sauge. Je pourrais vous parler encore une fois du Lamazuna, mais c'est celui qui a vraiment bien conclu ma routine capillaire, qui a permis d'apporter la touche finale de brillance, vous voyez, d'apporter un coup de peps, je saurais pas dire. Celui au zinc et à la sauge, il a permis vraiment de bien terminer, de me laisser des beaux cheveux bien sains. Donc c'est celui qui a quand même marqué mon année. Même si c'est un shampoing très onéreux, c'est un shampoing que j'aime beaucoup, ne serait-ce que parce qu'il sent très 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 bon. Alors, les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce.
Alors en crème corps, toujours soit le body butter ou la body lotion de Dipstick, ce sont mes favorites parce que elles sont sans cruauté animale, elles sont bio, elles sont naturelles, elles sont pas chères, j'aime vraiment beaucoup, on a des odeurs très vives. Moi j'aime bien fruit de la passion ou sucre brun, j'aime vraiment vraiment beaucoup, je trouve que ça fait vraiment cocooning, vous voyez, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en gommage, bah, celui de Dipstick aussi, hein, j'en ai pas 36 en fait, hein, donc je vous parlerai du seul que j'ai, c'est celui à la lavande et à la camomille, que j'aime beaucoup, qui est au sucre, hein, comme quoi les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, c'est-à-dire à peu près tous les jours quand même, hein. Enfin moi j'aime pas spécialement ça. Quel déo? Alors j'ai beaucoup beaucoup aimé le Urban Cowboy, un déodorant vegan, de bonne composition et surtout sans bicarbonate, parce que moi c'est une catastrophe le bicarbonate, c'est tout, hein, c'est définitif, je ne le tolère pas. Et je l'alterne avec le Miu Miu Tweet, parce que quand j'utilise que lui, il est rapidement plus efficace, donc voilà, j'alterne les deux. Le Miu Miu Tweet, il est bien, mais il fait des traces blanches sur les vêtements, donc voilà. Pour moi, ce sont mes deux favoris à ce jour, parce qu'ils respectent ma peau, ils ne me blessent pas, et pour autant, ils fonctionnent très très bien. Le maquillage que tu portes pour être au max, c'est pécho. Alors je ne cherche plus à séduire, hein, j'ai 32 ans, hein, vous savez, moi j'ai une famille, tout ça, tout ça. Mais voilà, si je veux être belle pour mon chéri, mes indispensables, ça serait un mascara. Donc là je viens de découvrir le mascara Avril qui est plutôt plutôt pas mal. Quand je pense qu'il coûte 3 fois moins cher que le 100% pur, je suis ravie. Il est vraiment très très bien, il est top. Voilà, pour moi un coup de mascara et un coup de blush. Ouais, le blush je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. Des fois je pars à l'école, je trouve que j'ai une tête à coucher dehors, mais vraiment terrible. Dans ces cas-là, je me mets juste un petit coup de blush un peu orangé. Et tout de suite, je trouve que ça me donne bonne mine, comme le Zao Makeup dont je vous avais parlé. Donc voilà, on va dire que ce sont mes deux indispensables. Même si avec l'âge... Enfin, avec l'âge, j'ai besoin de... Même si avec le temps, je me maquille de moins en moins. Ton produit favori pour nettoyer la maison naturellement? Alors bon, rien de neuf par rapport aux autres, je vous dirais aussi le vinaigre blanc. J'en utilise depuis plusieurs années et un petit peu partout, dans ma machine à laver, dans mon lave-vaisselle, pour nettoyer la peau des fruits et des légumes, pour détartrer, tout le temps j'ai du vinaigre blanc partout et ça descend très très vite chez moi. En plus je suis contente, j'ai découvert qu'on pouvait l'acheter au litre, donc en vrac, chez Débaidé à Lille. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'est un indispensable pour désinfecter les sols, je peux pas dire autrement, c'est un indispensable et j'en ai toujours toujours dans ma maison. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours? Toutes les blogueuses boivent du thé. Bon alors, encore une fois, moi ça fait quand même, ça fait 10 ans maintenant que je bois du thé, des tisanes, mon conjoint aussi. On est vraiment vraiment amateur de thé, on est connu pour ça, on a un placard rempli, voilà, on en consomme vraiment vraiment beaucoup. Mon conjoint est amateur de vin, finalement je pense que c'est un petit peu dans tout ça, dans les saveurs, dans les parfums, on aime ça, on ne sucre jamais notre thé, on aime beaucoup beaucoup, presque deviner un petit peu les saveurs. J'en ai testé énormément. Cette année j'ai bu beaucoup de rooibos, pourquoi je ne sais pas, voilà, j'ai bu beaucoup de rooibos, donc je vous parlerai du Zulu Digest des Jardins de Gaïa. Alors le rooibos, vous savez, c'est ce thé rouge sans théine, il est rouge, hein, très rouge une fois infusé, et on le retrouve très très facilement agrémenté de fruits, de feuilles ou d'épices, et le Zulu Digest contient des épices, alors je ne sais plus de quoi, mais ces épices se révèlent très très bien après 10 minutes d'infusion, il conseille 5 à 10 minutes je crois, mais 10 minutes c'est bien parce que vraiment ça se révèle très très bien, moi je l'aime beaucoup, je le trouve très agréable, en plus c'est très bon pour le système digestif. Donc du coup voilà, moi je choisis celui-là parce que je le trouve très très agréable, voilà, très sympa, très bon, en plus il est bio, bon voilà, moi je l'aime beaucoup. Le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une amie? Et bien justement à Noël j'ai offert à une amie Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, mais je ne l'ai pas lu. Du coup je vous parlerai de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, si je dis pas de bêtises. C'est un tout petit bouquin de poche qui se lit super facilement, que j'aime beaucoup et qu'on peut lire même plusieurs fois dans sa vie. Voilà, on l'a découvert il y a quelques années, moi je l'aime beaucoup parce que si c'est pas encore le cas, ça permet de prendre conscience que notre pensée influence lourdement notre perception de la réalité. Je le dis très très souvent à ces gens qui sont parfois enfermés dans leur conditionnement, qui veulent pas changer dans leur mode de consommation, d'alimentation, que on n'est pas autant acteur de notre vie qu'on peut le penser, parce que bah forcément nos conditionnements, nos croyances influencent ce qu'on fait, ce qu'on pense même de soi-même des fois. Je trouve que c'est un livre très 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 intéressant qui en plus se lit vraiment facilement. Il est tout petit, ce serait vraiment dommage de s'en priver, alors moi je vous conseille celui-ci et je pourrais tout à fait l'offrir. Le produit non naturel que tu ne quitteras jamais? Je sais pas, aucun.
C'est vrai que mes convictions sont vraiment très profondes. Ça fait longtemps quand même hein, que j'ai changé tout ça. J'utilise encore des vernis. Ils ne sont pas indispensables. Là, vous voyez, en ce moment, je vernis que très rarement mes ongles. Ils ne sont pas indispensables, clairement. Je peux m'en passer. Mais j'utilise quand même des vernis hypotoxiques hein, qui contiennent donc des dérivés du pétrole. Hein. Du vernis, c'est du vernis. Mais sinon, il n'y en a aucun dont je ne puisse pas me passer. Hein. Je réfléchis, qu'est-ce que je porte même là hein. Franchement, il n'y en a pas. Donc bon, je vais quand même choisir les vernis et je vous parlerai donc des vernis Mineral Fusion qui sont donc hypotoxiques et que je trouve voilà, très 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 bien. Voilà, je suis assez contente, assez fière de moi, même si c'était un petit peu anarchique, hein, mais bon voilà. Au moins j'ai fait ma part. Alors, j'ai fait ma part comme le petit colibri. Alors, je vais taguer. Je vais taguer Angélique. Je suis pas certaine que vous la connaissez parce qu'elle a repris récemment, c'est une jeune maman. Je vais taguer Clochette. Clochette Beauté, je crois. Et Beauté Bio. Voilà. Mais toutes celles qui me suivent, et tant d'autres, vous pouvez toutes le faire. Hein, voilà, j'en choisis trois, j'en choisirai trois autres la prochaine fois. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. J'espère que ça a été à peu près correct et cadré. Et moi, je vous dis à bientôt.